You know that stuff about pink elephants? That's the bunk. It's little animals. Little tiny turkeys and straw hats. Midget monkeys coming through the keyholes. Has to be dark, though. It's like the doctor was just telling me. Delirium is a disease of the night. Good night. Delirium is a disease of the night. Bonjour tout le monde, bon vendredi midi. J'espère que vous allez bien. Malgré cette deuxième vague qui déferle sur nous, ce fameux COVID, est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, c'est vrai, j'oubliais Martin. J'oubliais de mettre Martin. Salut Martin. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Martin, qu'est-ce que tu étais en train de faire là? Martin? Oh, hey, excuse-moi, Mickaël. Écoute, on est sur Twitch, hein? Je pense que c'est une plateforme où on peut faire des jeux vidéo. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Écoute, je suis en train de jouer un jeu super cool. Regarde, j'attaque ici des petits monstres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont, ces petits monstres-là? Ben, regardez ça, ce sont des pods dans OpenShift. Oh. Donc, le lien. Fait que dans le fond, avec mon petit jeu vidéo ici, là, vous voyez, je détruis des pods. Puis vous voyez mon OpenShift en arrière-plan qui reconstruit les pods, qui fait tout en son possible pour s'assurer que mon application reste fonctionnelle. S'il y en a qui se demandaient encore à quoi ça sert le monde des containers, à quoi ça sert Kubernetes, c'est quoi sa puissance, regardez ça, la vitesse à laquelle il réussit à reschéduler mes pods et tout. Et c'est ce qu'on appelle du chaos engineering, un concept que je n'ai pas inventé. On n'a pas inventé, mais bien qui existe depuis longtemps. Donc, et un bel exemple, c'est Netflix qui fait ça dans son environnement depuis des lunes, en fait, depuis le tout début. Donc, le but est d'insérer des problèmes volontairement dans son réseau de production. Fait que je me suis amusé à jouer à ce petit jeu-là, qui est vraiment super intéressant. Écoute, dans la thématique de Twitch, finalement, c'est bien ça. Tout à fait. Et on a des questions déjà sur le chat pour toi, Martin. Est-ce qu'on peut contrôler le jeu? Une question d'Éric. Est-ce qu'on peut contrôler le jeu? Tu contrôles le jeu, tu joues. Hein? C'est vraiment... Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est moi qui joue, là. C'est moi qui joue, là. C'est ça, je m'amusais à tout ça. C'est pour ça que j'étais en retard sur l'appel. Écoute, je suis tellement... Regarde ça, gars, je peux tuer mes petits pods, là, ici, là. Puis on les voit se reconstruire ici. Donc oui, c'est moi qui contrôlais le jeu. Si on a des auditeurs qui veulent installer ce jeu-là sur leur environnement OpenShift, c'est possible aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que je mets dans le chat ici. Oui. Là, il faut que je me connecte. Oh, code de connexion. Ça ne sera pas très long. Donc, je vais mettre dans le chat le lien vers le GitHub ici. Donc, c'est Cube Invaders. Donc, c'est une petite application qui a été développée là, par la communauté, des gens sur la communauté. Donc, ils ont eu bien du fun à faire ça. Et si vous scrollez un petit peu plus bas, ici, vous allez voir comment installer KubeVader sur OpenShift. OK? Évidemment, la procédure est un petit peu différente d'un cluster Kubernetes, je vous dirais vanille ou d'autres distributions. Et la raison est simple. OpenShift est sécuritaire. OpenShift vous protège. Alors, il faut dire à l'application, il faut dire à OpenShift que l'application KubeVaders, vous voyez ici, a le droit d'exécuter des actions sur un autre namespace. Okay? Donc, c'est très important. Alors, suivez ces instructions-là
pour dire, OK, je crée un cluster role qui permet à CubeVaders de faire une liste, un get, un delete des pods. Et puis, on applique ensuite ce rôle-là au namespace CubeVader. Donc, suivez ça à la lettre et vous allez pouvoir jouer à ce petit jeu. Super. Merci, Martin, pour cette magnifique démonstration. Non, mais je trouve ça cool. Concept très thématique avec ce qu'on fait en ce moment, mais aussi, écoute, ça fait une belle démo hein, pour montrer le concept de base des containers sur OpenShift. Montrer comment c'est efficace, là, en fait. Très bien. Fait. Merci, Martin. Alors, pour ceux et celles qui écoutent pour la première fois notre épisode, sachez que vous pouvez retrouver tous nos archives sur YouTube. Vous allez voir dans le chat le lien passé. Là, j'ai un petit robot qui s'occupe de mettre le lien automatique. Donc, c'est sur YouTube. Au pire, vous cherchez mon nom. Vous allez me trouver assez rapidement sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la mailing list si vous voulez être notifié pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir lieu les prochains épisodes. Martin et moi, on essaie d'avoir une cédule stable. Mais malheureusement, c'est impossible. Hein, comme vous pouvez le constater, on a de la misère à tenir notre promesse. On a de la misère à tenir notre promesse de tenir un épisode à toutes les trois semaines. En fait, on est surchargé en ce moment, là, énormément de demandes. C'est fou, hein, Martin? Qu'est-ce qu'on vit là, en ce moment? Moi, je pense qu'à 11 ans, je n'ai jamais vu ça, autant de demandes qui s'enfilent, qui se pilent, sur nos bureaux. Là. Bien, c'est une belle démonstration à quel point la technologie, le cloud, Kubernetes, c'est important et surtout aujourd'hui plus que jamais. OK. Et là, Martin, je suis en train de voir changement de sujet pour revenir au chat. Là, je vois que mon robot n'aime pas ce que tu mets. Donc, au pire, je vais mettre le lien. je demande parce que tu n'es pas administrateur, là, mais j'ai quelqu'un qui... C'est ça, le robot, il fait du nettoyage. S'il y a des gens qui posent des affaires non conformes, il supprime. Là, je viens d'avoir un avertissement là, qui t'avertit d'arrêter, sinon tu vas probablement même être banni. OK, donc pour revenir à ce qu'on parlait, effectivement, surcharge de travail en ce moment. En fait, ça fait plusieurs mois que ça dure. Et là, on travaille en fait avec notre manager, Juan Berly. Je pense qu'il nous regarde en ce moment. On travaille à ouvrir un poste pour nous donner un coup de main. Donc, je m'adresse à vous qui nous regardez soit en direct ou soit en rediffusion. Si ça vous intéresse de joindre une équipe très dynamique, voyons, on s'amuse, on joue à des jeux vidéo le vendredi midi. donc, si ça vous tente de joindre notre équipe, n'hésitez pas à appliquer. En fait, ce qu'on cherche, c'est un architecte plus du côté applicatif, AppDev. En fait, qu'on appelle chez nous architecte AppDev, ça prend des bonnes connaissances en architecture de développement d'applications. Si vous avez fait des développements assez d'envergure, si vous avez déjà programmé idéalement en Java, vous êtes à l'aise dans le monde des containers et bien, un gros plus si vous êtes à l'aise avec OpenShift, bien, envoyez-moi un courriel ou à Martin là, que vous êtes intéressé, puis on va vous mettre en contact avec la personne qui est responsable. Le poste n'est pas officiellement ouvert, n'est pas officiellement affiché encore. Juan travaille très fort à aller chercher le budget qu'il faut pour nous donner un coup de main. Mais si ça vous intéresse, on commence déjà les entrevues. Oui, tout à fait. Puis Red Hat, c'est une superbe place à travailler. Sérieusement, les gens sont vraiment, vraiment gentils. C'est vraiment une place où que c'est focus sur le bien-être des employés. Donc, tentez votre chance. Excellent. Je veux, avant d'embarquer dans notre flow habituel, Martin, je veux faire un retour sur la démo de la semaine passée qu'on a faite avec, que j'ai fait avec Koué, en fait. On a trouvé une problématique. En fait, la problématique, c'est pas ce que je vous ai livré, c'est plutôt, c'est moi qui l'ai livré, c'est moi qui ai fait l'erreur, mais ça vient un peu de notre documentation. Il y a un petit manque dans la documentation. Donc, je vous montre ça à l'écran en ce moment. Donc, j'ai mis le code pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui ont suivi là, ma procédure parce que j'ai eu des questions suite au dernier Twitch. Je sais qu'il y en a qui ont suivi ma procédure pour installer Koué. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, en fait, à la dernière épisode, j'ai fait une démonstration pour assez simple, comment déployer Koué avec un opérateur sur OpenShift. Koué qui est notre registre entreprise, qui fait du scan en temps réel, des containers. Donc, problématique dans la documentation. Si vous suivez la doc à la lettre, de Red Hat. On vous fait installer Koué Éclair, en fait, c'est l'opérateur qui le fait, mais il le fait, il installe Koué Éclair en mode, comment on dit ça, Martin, j'ai oublié un nom, en mode,
les données ne sont pas consistantes. Là, Ah, en mode éphémère. Oui, éphémère. C'est ça, je cherchais. Donc, par défaut, la documentation vous fait installer quoi en mode éphémère? Ça veut dire que si votre container Koué ou votre container clair et ou votre container clair est redémarré, ben, vous allez perdre ce qu'il y a à l'intérieur, la config que vous avez mis, les containers que vous avez poussés. Donc, on veut. Comme exemple, c'est ça. Comme éviter. Exemple, si vous jouez à Cube Invader avec votre Régis Koué. Vous allez perdre effectivement les données. Donc, pour corriger ça, là, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Là, je portais attention à ça. Là, il faut rajouter les lignes qui sont en bleu ici. Là, donc, la base de données, il faut spécifier qu'on veut un volume. J'ai mis 10 gigs, dépendamment comment vous prévoyez déployer d'images. Ça peut être plus que 10 gigs, mais moi j'ai mis 10 gigs. Mais vous rajoutez ces lignes-là, en fait, au niveau clair, dans la section clair et dans la section Koué. Vous pouvez tout simplement télécharger le fichier sur mon GitHub aussi si vous voulez. Et je ne suis pas sûr, Martin, peut-être que tu as la réponse, mais je n'ai pas la réponse à ça. Si j'applique ça sur une installation de Koué qui roule en ce moment, est-ce que ça va le corriger ou je pense qu'il faut vraiment supprimer notre Koué? Oui, c'est une bonne question. Belle petite question non préparée. Je ne sais pas comment l'opérateur va réagir à ça. Ouais, en fait, ce que j'avais comme plan, c'est qu'on devait avoir Martin Sauvé avec nous. Aujourd'hui, notre collègue Martin Sauvé, mais Martin, son horaire est complètement folle en ce moment. Donc, finalement, il n'a pas pu se joindre à nous. C'était une question pour lui. Mais là, il n'est pas là. Fait qu'on n'aura pas la réponse. On va essayer de creuser là-dessus. Sinon, moi, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai détruit, en fait, mon installation de Koué. J'ai délité le YAML, opérateur demo.yaml. Puis je l'ai réappliqué avec ces nouveaux paramètres-là. Ça a refait un déploiement de Koué, mais cette fois-ci qui est persistant. OK, donc, je vais juste revenir sur ma fenêtre. Oui, on est-tu la bonne? Non, je n'ai pas la bonne. T'as un petit peu, Martin. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. On a un petit problème de coordination d'écran en ce moment. C'est pas évident à distance comme ça. Là. Okay. Un voit pas l'autre. Est-ce qu'on est correct? Non, je ne suis pas correct. Effectivement, j'avais une erreur. Je vais revenir ici, tiens. Enfin, on va passer sur la sienne. OK. Donc, c'était l'introduction, en fait. Une longue introduction aujourd'hui. Plusieurs choses à vous parler. Prochaine section, je vois que Martin a déjà affiché une page. C'est la section des prochains événements. Donc, juste une petite mise à jour qu'on a à faire avec vous aujourd'hui. Martin, je te laisse aller avec ça. Oui, exactement. Donc, Ansible Fest, c'est la semaine prochaine, 13 et 14 octobre. Ne manquez pas ça. Comment ça coûte s'enregistrer à ça, Mickaël? Ça coûte... C'est gratuit. Gratuit. C'est gratuit! Vous allez avoir accès à des tonnes d'idées, des gens qui vont partager leur expérience avec Ansible, des experts Red Hat qui vont vous montrer un paquet de trucs autour d'Ansible. L'automatisation, je veux dire, il n'y a pas plus critique comme sujet aujourd'hui, il n'y a pas plus important comme sujet aujourd'hui d'automatiser son infrastructure. Fait, allez voir, au minimum, allez voir sur le site ansible.com/AnsibleFest, allez voir la liste des sessions, les speakers qui sont là, qui sont nos ingénieurs. Et comme je vous ai dit tantôt, ce sont aussi des clients. Vous voyez ici T-Mobile. Donc, ce sont des clients qui vont partager leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça va vous inspirer, ça va vous donner des idées. Et puis, vous allez apprendre énormément. Et regardez à quel point on bonifie notre offre Ansible. Regardez ici, ce sont des collections. Maintenant, on a notre Automation Hub chez Red Hat. Donc, ce sont ici des collections qui sont certifiées, supportées par Red Hat. Regardez, exemple, si vous voulez automatiser, du Cisco. Je tape ici Cisco dans la liste de mes collections et je vais voir ici l'ensemble des modules. Donc, iOS, NXOS, bref, tout est là. Si je clique sur iOS, vous allez voir la liste des ici dans le contenu. C'est peut-être un peu petit pour la télé. Donc, ici, vous allez voir la liste là, des différents modules. Puis regardez dans un monde réel à quoi tout ça pourrait ressembler. Regardez, ici, je crée une tâche, j'appelle iOS Interface, je donne le nom de l'interface, qu'est-ce que je veux faire, et c'est tout. C'est tout. J'ai même pas besoin de savoir c'est quoi les commandes chez Cisco ou chez mon autre équipementier. Allez voir, sérieusement, c'est hyper intéressant. OK? Ensuite, en termes de nouvelles, j'ai... excusez, faut que je passe ça un petit peu.
à cause de la barre de Zoom. Donc, les workshops, OK? On est en plein dans une série de workshops. J'espère que certains d'entre vous avaient eu la chance de participer à certains des workshops. Là, regardez, il y a deux tracks, le développement et opération, le tout sur les outils OpenShift principalement. Donc, malheureusement, c'est ça, le module 1 et 2 sont déjà passés. Donc, c'était le 30 septembre et le 7 octobre. Par contre, vous avez encore la chance de vous inscrire pour le Service Mesh. Service Mesh qui est vraiment une technologie. En fait, c'est plus si nouveau que ça. Ce qui est beau, c'est toute l'intégration qui a été faite avec OpenShift. Et serverless, comment je sauve des ressources dans un cluster OpenShift, comment je peux scale to zero, hein, un pod. Donc, vraiment, des sessions super intéressantes. Je pense que c'est Martin Sauvé qui va donner justement ces deux sessions-là. Et le module 2, il est marqué 8 octobre, ça a été repoussé. Ça va être le 4 novembre, c'est moi qui la donne. Donc, c'est l'administration d'OpenShift. On va installer notre engin de storage OCS. On va faire des machines set, on va configurer le logging. Bref, on va faire plein d'affaires ensemble. Super intéressant de ce côté-là. Excellent. Merci, Martin. Juste pour compléter de mon côté, en termes de nouvelles, on a le ROG, le Red Hat User Group, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, depuis la COVID, on a greffé les deux Red Hat User Group de Québec et Montréal ensemble. On fait ça de façon virtuelle. Donc, le prochain va avoir lieu le 28 octobre à 13h. Donc, je vous montre ça à l'écran très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme? Des sujets super intéressants. Donc, tout d'abord, notre collègue Guillaume Moutier, qui va venir présenter la nouvelle version de OCS, OpenShift Container Storage, la version 4.5. Martin, on a fait un épisode voilà quelques mois sur OCS, donc ça va être le fun de revisiter ça. Et avec quelqu'un de la BU, Guillaume et Moutier dans la BU de CEF. Par la suite, on va voir notre collègue Dan Dobrescu qui va venir vous présenter les nouveautés avec Satellite Insight et le Cloud Connect qui permet d'attacher Satellite Insight ensemble de façon très facile. Une mise à jour de RHEL 8 par notre collègue Pierre Blanc. Donc une nouvelle version qui est en préparation, la 8.3. Plusieurs nouveautés du côté du Edge Computing. Donc Pierre va venir faire une petite mise à jour là-dessus. Et finalement, notre collègue Éric Lalancette qui est à AM chez nous qui va faire une présentation. Enfin, un cas concret d'utilisation des sondes Livness et Redines de Kubernetes OpenShift. Donc, belle petite présentation que Eric a présentée pour vous. Tellement important comme concept. Hein? Si on se retranspose au début de cette émission-ci, quand je tuais finalement les pods, ces probes-là vont permettre à ce que l'application soit toujours en ligne, soit toujours up. Donc, on n'éteindra pas un pod tant et aussi longtemps que le nouveau pod n'est pas prêt et d'un point de vue applicatif et non pas juste d'un point de vue state dans Kubernetes. Excellent. Donc, Martin, il vient de se passer quelque chose. J'ai mon modem 28.8K qui vient de partir. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Donc, non, on a une contribution, en fait, on a un don. On a eu un don de Wireless 00. Un don de 10$. Donc, merci Wireless pour le don. Écoute, c'est une première. Je pense que c'est la première fois, Martin, qu'on reçoit un don. Hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Twitch, c'est très populaire de faire ça. Donc, pour notre épisode, nos émissions, Martin, c'est la première fois. Donc, je suis super content. Donc, merci Wireless. Et comme indiqué dans la description du canal, tous les dons qui sont faits par nos éditeurs, ça va aller directement dans l'amélioration des diffusions. Je vais investir quelqu'un qui va avoir assez d'argent là, pour améliorer l'équipement qui va vous permettre de faire des meilleurs épisodes finalement. OK, donc, et en passant, petite note pour Wireless, là, j'ai vu que notre petit robot a supprimé ton message aussi. Là, je vois que mon robot, il est très sévère avec les commentaires. C'est peut-être un petit peu trop sévère, fait que j'ai baissé son niveau. Il va permettre plus de choses, dont j'ai permis les liens. Là. Fait que Martin, si tu veux remettre ton lien, je pense que ça va fonctionner. C'est ça, hein, tantôt. Je vois là, qu'il refusait les liens par défaut. Là. En fait, il y a eu une mise à jour de ce petit robot-là, là, que j'ai pas vu tout ce qu'ils ont fait. Là. Fait que... Et je trouve ça plate de tester ça en live avec vous autres. Mais je vais corriger ça. Là, la prochaine fois, ça va aller mieux. Fait que désolé encore là, pour ceux qui ont des problèmes avec les commentaires.
OK. Donc, au niveau des nouvelles, c'est pas mal ce qu'on avait à dire, Martin. Pas des nouvelles, des événements. Prochaine section, c'est la section des nouvelles et trouvailles. Encore des choses super le fun à partager avec vous. Je vais juste updater le titre du sujet. On va apparaître un petit peu partout sur les fenêtres de Twitch. Donc, petite nouvelle pour commencer, Martin, en rapport avec ce que j'ai mentionné au début, en rapport au dernier épisode sur Koué. Donc, petite métrique intéressante qui est sortie sur Koué. Au mois d'août, en fait, on a reçu un rapport. En fait, c'est... Tiens, je vais le mettre à l'écran. Au lieu d'en parler, je vous montre ça à l'instant. Je pensais que je l'avais mis. Ouais, il est juste ici. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, c'est un post qui a été fait sur le blog, je pense sur le blog de OpenShift, pour lequel, durant le mois d'août, Koué.io, qui est notre registre en fait public, quand vous téléchargez un container de Red Hat ou vous installez OpenShift, vous utilisez OpenShift, il y a bien des containers qui sont téléchargés du site web Koué.io. Donc, plus de 1 milliard de téléchargements au mois d'août. 1 milliard, Martin. 1 milliard, c'est incroyable. Ça prouve l'adoption. Hein? Ça prouve vraiment c'est l'adoption. Je veux dire, ben, juste installer OpenShift, on va se le dire, là, c'est des centaines de téléchargements. Fait que juste à moi, là, j'en ai au moins des milliers à moi. Là, mais c'est ça, on voit la popularité là, de Koué.io chez Red Hat. C'est extraordinaire. Yes. Fait que, donc, oui, ça prouve sa solidité. En fait, ce qui est fun ici, c'est que ce qui est utilisé en arrière de Koué.io, c'est Koué qui est là. Hein. Fait que le fait de scaler à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup d'ajustements. Pour ceux qui se connectent à Koué.io régulièrement, vous avez vu des pannes avant le mois d'août. On en a eu en septembre aussi. Et dans l'article, on en parle de ces pannes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Fait qu'au mois d'août, on a réussi à aller chercher un 100% de stabilité avec plus d'un milliard de téléchargements. Donc, toute cette expérience-là qu'on gagne, on le met dans le produit pour vous offrir un produit de qualité. Et en tant qu'éditeur de logiciel, de pouvoir tester un scale comme ça, c'est très difficile de tester ça dans un lab. Alors, on le teste via notre site public et ce qu'on trouve comme problème, ce qu'on corrige, on l'injecte directement dans Koué. Ouais, donc, c'est super fait, pour puis, ça. Tout à fait. Puis le fait de partager aussi le post-mortem, hein, si vous allez voir le fameux blog que Michael parle, on partage le post-mortem, on explique c'est quoi les root causes, qu'est-ce qu'on a vu, tout ça. C'est un beau signe de transparence de la part de Red Hat avec ses usagers. Donc, je vais envoyer ça dans le chat tout de suite s'il y en a qui veulent aller consulter l'article. Lire l'article, c'est super intéressant. Prochaine trouvaille, Martin, nouvelle. Je pense que c'est pour toi, ça, celle-là. Oui, bien, c'est ça. En fait, trouvaille, nouvelle. En fait, OpenShift Virtualization. Hein? Je le titule bien. Non, CNV. Container Native Virtualization. Ouais. KubeVirt. Bref, appelez-le comme vous voulez. Roulez une machine virtuelle dans OpenShift. OK? On en a parlé. Je pense que j'avais fait une démo. C'est clair qu'on va revisiter ça. Le point important, puis c'est ce qu'on a appris, je dirais, avec le temps, parce que c'est quand même nouveau là, comme offre officiellement supportée. Vous savez, quand vous avez OpenShift, vous pouvez rouler n'importe quel container RHEL, hein, n'importe quel container avec l'image de Red Hat. Imaginez-vous donc que quand vous avez OpenShift et que vous décidez de faire la virtualisation dans OpenShift, si vous installez des VM RHEL, elles sont également incluses et supportées par Red Hat. Donc, quand vient le temps de choisir une plateforme de virtualisation, pensez-y comme il faut, le gain financier peut être énorme d'aller vers une solution telle que OpenShift Virtualisation. Excellent. Merci Martin. Effectivement, encore un gain important ici. Autre trouvaille, en fait, c'est une cheat sheet. Moi, j'adore les cheat sheets. J'en imprime plusieurs. J'ai mes proches de mon ordinateur. J'ai les affiches. J'en ai en Python. J'en avais avec Docker, avec Podman. Il y en a une nouvelle qui est sortie récemment. Je vais mettre le lien dans le chat. C'est sur Builda. Donc, si vous construisez des containers en utilisant l'outil Builda, notre outil, il y a une belle cheat sheet qui est sortie. Donc, je t'invite à la télécharger. Pour la télécharger, il faut avoir un compte sur Red Hat Développeur. Inquiétez-vous pas, ça coûte rien. Là. Vous ouvrez le compte, c'est gratuit. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Il y a quelques mois de ça, des comptes Red Hat Développeur. Donc, lorsque vous ouvrez un compte sur Red Hat Développeur,
vous avez accès à. Vous pouvez télécharger REL et l'installer gratuitement aussi. Là. C'est un des avantages de s'ouvrir un compte sur ce site-là. Et en plus, ben, vous allez avoir cette magnifique cheat sheet-là. Je pourrais peut-être la montrer, tu sais. Parce qu'il y a quand même un bon travail qui a été fait. Donc, je vais passer, je vais vous afficher mon écran. Je l'ai dessus ici. Download. Builder. Oups. Donc, je pense que tout le monde voit mon écran, oui. Regardez, quand même, c'est léger, là. C'est pas, on ne se perd pas dans 15 pages. Je pense qu'il y a 3 pages qu'on peut imprimer. C'est les commandes de base pour travailler, commencer à construire des containers avec Builder. Mais je trouve le visuel bien réussi. C'est bien organisé. Oui, on peut aller dans la même page qu'on... aller chercher les commandes qu'il faut lancer, mais généralement, dans un cheat sheet, c'est bien organisé sur ce qu'on utilise le plus, finalement. Tout à fait. OK. Donc, dernière petite trouvaille pour vous. Je vais le mettre à l'écran aussi. En fait, Martin, c'est peut-être une question pour toi là-dessus. Toi, quand tu travailles avec OpenShift, comment tu prends tes notes? Prends-tu des notes? Tu gardes ça dans ta tête? Ou... C'est ça, oui. Je prends des notes à gauche, à droite. Je Google. Des fois, je me retrouve à googler la même affaire une trentaine de fois. Tu sais, okay. Avant de me tanner et de dire « Ah non, faut que je le mette de côté. » Des fois, je me pars un petit repo. Je mets des commandes. Ceux qui suivent mon GitLab, là, des fois, je mets des choses. J'essaie de plus en plus de me garder à jour. Mais si tu me dis qu'il y a une place qui contient des commandes puis qui contient justement des cheats de OpenShift, je serais bien ouvert à la prendre. Non, mais tu lis dans mes pensées, Martin. Effectivement, écoutez, c'est un site que j'ai trouvé par hasard. Je cherchais une commande sur OpenShift. Je suis arrivé par hasard sur ça. Ça n'a pas été publié à l'interne ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça s'appelle OpenShift.tips. C'est un ingénieur chez Red Hat qui a parti ce site-là et qui a classé. En fait, c'est des notes qu'il a prises sur OpenShift. Par exemple, si je vais dans le cluster ici, il a classé ça par thématique. Donc, si je vais dans le cluster, comment déplacer un control plane vers un worker node et ainsi de suite. Donc, il a mis ses commandes ici et il entretient ce site-là. Là, il corrige ses notes. Parce que si on va dans le bol, on voit là, qu'il y a eu des mises à jour. Bon, ici, ça date du mois de mai, là, mais il y a des pages qui sont plus récentes. Donc, je trouvais que c'était une belle façon de prendre ses notes. Parce que moi, je fais un peu comme tu fais, Martin, mais en fait, moi, j'ai parti un Google Doc pour lequel, quand je trouve une commande intéressante, je la mets à l'intérieur de ce Google Doc-là et j'ai des thématiques un petit peu comme représentées ici. C'est moins beau là, que ce que l'ingénieur a fait, mais j'ai ça dans un document. Et en fait, j'ai classé ça par thématique, comme par exemple pour Quay, j'ai une section Quay qui explique comment l'installer et ainsi de suite. Là. Fait que c'est comme ça que je me suis organisé. Mais sinon, vous avez ici quelque chose de public qui semble être maintenu et il y a des trucs qui sont rajoutés régulièrement. Donc, un beau site à mettre dans ses bookmarks, je pense. Fait que je vais le mettre dans le chat. Pour ceux qui veulent. Super intéressant, Michael. Ça me montre qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus organisés, structurés que moi. Oui. Excellent. Donc, ça met fin pas mal à nos nouvelles trouvailles, Martin. Fait qu'on va passer au dernier sujet avant la démo, avant ce qu'on veut présenter aujourd'hui comme démo. C'est les dernières sorties. Donc, quelques dernières sorties. Fait que Martin, juste pour mettre la table, la semaine dernière, tu as parlé un petit peu, pas la semaine dernière, dernier épisode d'OCS4.5 qui s'en venait. OCS4.5 oui. Est sorti. On a un rug qui s'en vient pour lequel on va creuser ça, mais juste les grandes lignes, si tu peux nous en parler aujourd'hui. Ben oui, OCS, hein, le OpenShift Container Storage. Donc, l'offre de storage intégrée à OpenShift, qui est excellente, je veux dire, depuis jour 1, en fait, c'est vraiment excellent. Maintenant, on est rendu à l'itération 4.5, donc on s'aligne toujours avec les versions d'OpenShift. Dans les grosses nouveautés qu'on a, puis ça, c'est des demandes qui sont venues des clients, c'est « j'ai déjà un cluster Ceph, hein? J'ai déjà un cluster Ceph de plusieurs tera, petabytes même. Est-ce que je peux l'utiliser maintenant avec OCS? » Alors, avec 4.5, oui. Donc, je peux avoir plusieurs OpenShift qui vont venir se connecter à mon cluster Ceph, qui est centralisé dans mon entreprise, qui est répliqué et tout. Et je vais avoir le même niveau d'intégration que si je roulais le cluster Ceph en mode container, comme on le faisait avec les anciennes versions de OCS.
Donc, ça, c'est vraiment le gros, gros, la grosse nouvelle qui est sortie. Oui, mais ça demeure quelque part, faut vouloir, puis il faut avoir l'expertise de mettre en place un cluster SIF aussi. Peut-être moins évident. C'est ça. En fait, c'est toute la beauté d'OCS. C'est que dans le fond, avec OCS en mode standard ou interne, comme on dit, j'ai pas à connaître ça, j'ai pas à administrer ça, puis c'est vraiment la beauté. Maintenant, tu sais, comme je disais tantôt, on a des gens qui ont cette expertise-là chez eux, qui tiennent à avoir un stockage séparé, eh bien maintenant, on a une offre pour eux, finalement. Autre chose, on a optimisé énormément, encore une fois, rouler une machine virtuelle sur OpenShift, tout en utilisant le stockage qui est fourni par OCS, parce qu'on va se rappeler que OCS nous donne le file system, le bloc et object storage. Et le file et le bloc en mode read-write once and read-write many. Alors, c'est pour la machine virtuelle, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi, c'est où est-ce qu'il y a vraiment un gain au niveau des machines virtuelles? C'est la machine virtuelle, on va avoir besoin du stockage en mode bloc. Hein? On veut optimiser en fait l'accès au disque virtuel avec les blocs. Et en donnant le read-write many, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de faire des live migrations, okay, de mes machines virtuelles d'un nœud OpenShift à l'autre nœud sans perdre la moindre donnée et sans perdre la moindre connectivité. Donc, ça, c'est le gros avantage avec 4.5. Au niveau des objets, maintenant, on peut utiliser nativement le Rados Gateway qui est fourni par Ceph. Donc, dans OpenShift, je vous l'avais montré, je pense, dans quelques émissions. Donc, l'object storage avec Nuba. Maintenant, on a deux options. Donc, on a encore Nuba si on veut, mais on peut parler directement à notre cluster Ceph si on veut également. Et finalement, l'autre grande nouvelle, c'était en mode tech preview. Mais je vous confirme que ça fonctionne. On peut faire des expand VPC. Donc très pratique. Je crée un volume. Je manque d'espace dans mon volume. La console OpenShift va me dire, hey, tu as atteint 75% d'utilisation de ton PVC, de ton claim. Alors, veux-tu le grossir? Alors, on clique expand. On donne la nouvelle taille du volume. Et puis, on est prêt à l'usage. Excellent, excellent, Martin. Puis il y a le support aussi en tech preview pour Azure et Google Platform, parce qu'on l'offre déjà avec Amazon, ça marche super bien. Tout à fait. J'ai eu la chance de le tester. Là. J'ai installé OpenShift mode API avec OCS sur Azure et ça marche numéro un. Je pense qu'on fait juste valider le QA, tout ça pour être sûr que tout est stable avant de rendre GA officiellement. Tu allais dire quelque chose, Martin? Effectivement. Non. Okay. C'est parfait. Tu as fait la petite addition que j'avais oubliée. OK. Dernière sortie que je veux vous parler. En fait, je ne vais pas trop creuser avec ça parce que ça a été creusé la semaine passée au Ansible Meetup. Hein, on vous a parlé de Red Hat User Group. On a aussi des Ansible Meetups si vous ne savez pas. Donc, vous tapez Ansible Meetup Montréal ou Québec. On a deux groupes aussi. On a eu un Meetup la semaine dernière et j'ai présenté. Qu'est-ce qui est nouveau avec Ansible 2.10 parce que c'est une release qui révolutionne Ansible en termes de nouvelles fonctionnalités. C'est quand même une release super importante parce que c'est là qu'on sépare enfin en 2.10 le binaire Ansible et les fameuses collections. Si vous n'avez pas lu encore sur les collections, eh bien le mot-clé de cette release-là, je vois Martin qui m'a mis des notes ici, le mot-clé, collection, collection et collection. Oui, les collections deviennent de plus en plus importantes. Donc, si vous n'avez pas commencé à travailler avec les collections, c'est vraiment le temps. Vous faites de l'Ansible, puis vous étiez peut-être intimidé par les collections, puis vous êtes resté avec la bonne vieille méthode. Ça marche encore, ça va marcher encore pour quelques releases, mais éventuellement, on va s'en aller 100% collection. Donc, c'est le temps, c'est le bon moment avec Ansible 2.10 pour les regarder et devenir plus à l'aise. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les collections, allez voir, tapez Ansible Meetup Québec ou Montréal. J'ai affiché les dernières présentations. En fait, ça fait trois Ansible Meetup, je pense, qu'on parle de collections. On a fait sensiblement le tour des collections avec les Ansible Meetup. Donc, j'invite à chercher un petit peu sur Internet. Si jamais vous ne trouvez pas, envoyez-moi un courriel et je vous ferai suivre les présentations et les vidéos qu'on a enregistrées à ce sujet-là. Excellent. Donc, Martin, on serait rendu à 20 tout seul en plein écran. Il ne se voit pas tout de suite en plein écran. On va aller, je vais juste updater la fenêtre ici. Donc,
on s'en va, on va sujet principal et on va terminer avec ça aujourd'hui. On va essayer de terminer un petit peu plus tôt. Là, je sais qu'habituellement les gens quittent vers 1h, donc on va essayer de terminer vers 1h. Je comprends que les gens ont des rencontres dans l'après-midi. Donc on a sur à peu près 15 minutes, Martin, pour faire le tour de ce qu'on voulait présenter ici, qui est une nouvelle tendance. En fait, Martin, tu l'as dit en introduction. Le fameux GitOps, on entend parler de GitOps partout. Si vous êtes dans le domaine du développement, vous êtes dans le monde des containers, GitOps est sur les lèvres de tout le monde en ce moment. Donc, ce qu'on a eu comme idée, moi et Martin, c'est de, en fait, vous introduire à ce concept-là aujourd'hui. On va faire ça en 15-20 minutes, là, ça va être très rapide, et vous montrer comment partir avec ça, avec un produit qui s'appelle Argo. Fait que Martin... Oui, exactement. Puis en fait, on va vraiment y aller en mode introduction. Hein. Oui. On va aller fleurer le sujet, mais je pense que ça va nous donner des idées, ça va nous donner... bref, ça va nous tenter après ça d'explorer un peu plus le sujet. Donc, mon cluster OpenShift, vous voyez mon cluster actuellement, j'imagine. Oui, OK. Alors, je vais aller dans mon projet. Ça, c'était mon projet game de tantôt dont je suis allé pas. On va changer de projet. Alors, je vais aller ici. On va regarder le déploiement. Bon, j'ai pas grand-chose. C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qu'on essaye de régler avec ce fameux GitOps-là? OK? Kubernetes, c'est extraordinaire. OK? Mais il y a quand même un certain niveau de complexité. Il y a quand même beaucoup de fichiers. Hein? C'est pour déployer une application, on s'entend, là, il y a quand même beaucoup de fichiers pour faire la colle entre tous les éléments. Donc, si je regarde ici, mon à gauche, là, mon produit, donc qui est un API, hein, Product API, là, c'est vraiment, ça ne fait pas grand-chose comme petit logiciel, c'est vraiment juste pour s'amuser. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai un déploiement. Donc, le déploiement va ici instruire Kubernetes de ce que je veux faire. Donc, dans ce cas-ci, j'aimerais avoir deux réplicas de mon application. Voici l'image. Puis là, vous voyez, mon application, elle a besoin d'un config map. Donc, j'ai des valeurs qui sont stockées dans un autre fichier Kubernetes, un autre manifeste. Donc, je regarde ici, j'ai ma config. Ma config, elle est là. C'est bon. Là, je dois exposer tout ça. Donc, je dois créer un service. Je dois... Là, au-delà du service, maintenant, il faut que j'accède avec une route, HTTP, quelque chose. Donc, je vais créer une route. Bref, j'ai plein de petits manifestes comme ça. Donc, vous allez me dire, OK, mais c'est pas trop grave. Hein. Si je fais... premièrement, je suis dans quel projet? Mon Simple Project, c'est excellent. Donc, je vais aller ici. Vous allez me dire, ben c'est facile. J'ai juste à faire un OC apply-f product. On s'entend? Là, vous allez voir mon throttling. Throttling, c'est parce que mon cluster, il souffre. donc dans le fond, ici, Martin, t'applique, en faisant cette commande-là, tu appliques tous les fichiers YAML qui est à l'intérieur du... Exactement. Fait que j'ai appliqué tous les fichiers YAML. Un déploiement typique d'une application sur OpenShift. Et voilà. Donc, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi le problème? Hein, tu as fait une commande, puis tu as déployé tout le fichier, tout le truc. Fait que là, ici, j'ai mon déploiement, Product API. Hein? J'ai... bon, est-ce que ma configuration est là? Config map. Oui, Product Config est là. Est-ce que j'ai ma route? Mon service, oui, parfait, mes pods, est-ce qu'ils sont running? Oui, donc tout fonctionne. Martin, c'est quoi le problème? Ben, le problème, là, c'est que moi, je suis un développeur. Mettons que je suis un développeur. Ce qui n'est pas le cas. Je suis un développeur. Puis un développeur, des fois, ça aime ça, la simplicité et la rapidité. Puis... Là, je teste quelque chose. Tiens, je m'en vais ici. Config map. Edit config map. Puis en plus, l'autre problème, c'est que l'interface web de OpenShift est tellement rendue. Est tellement rendu le fun à utiliser qu'on est porté à aller faire ça. Fait que je dis, OK, je change mon config map, je mets ça à 3, save, parfait. Tiens, mon déploiement, finalement, c'est pas assez 2, on met ça à 3. Mais là, mes fichiers, qui dit vrai? Est-ce que c'est ma plateforme Kubernetes ou mon Git ou ce que j'ai sur mon laptop? Bref, j'ai plus de source de vérité. Alors, comment je vais faire pour prendre ça? Puis exemple, déployer mon application dans un autre cloud puis m'assurer que ça va fonctionner. Ça, l'objectif. Ça va être pareil, puis ça va être pareil aussi. Bien, c'est ça. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir la portabilité de l'application. Donc, c'est là qu'il y a des outils comme Argo CD qui viennent à la rescousse. Okay? Argo CD, c'est un outil de Continuous Delivery. Donc, je vais utiliser une méthodologie où ce que ma source de vérité, c'est mon Git. OK?
Donc, si j'ouvre mon GitLab ici, j'aurais dû ouvrir avant. J'avais oublié d'ouvrir ici. Donc, j'ai mes manifestes. OK? J'ai mon product. Donc, les fichiers que je viens de vous montrer. Regardez le déploiement. C'est encore deux ici. Sur mon laptop, j'aurais pu changer aussi. Mais là, bref, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Okay? Donc, je peux tout simplement, une fois Argo CD installé, aller créer une définition qui est aussi petite que ça, qui dit « Mon application pointe sur le repo manifeste okay, dans le path product et ça s'applique dans le namespace simple project. » Et vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, je vais faire un OC apply Argo CD simple product API. Donc, je vais créer mon application. Et si on regarde dans Argo CD, ici, on va voir mon application qui a été créée. OK? Et regardez en arrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai un pod qui est terminating. On va aller voir le déploiement. Product. Souvenez-vous que je l'avais monté à 3, mais Argo, il dit non, c'est pas 3. Dans le Git, il est écrit 2. OK? Puis c'est ça ma source de vérité. Donc, si je retourne ici, du côté d'Argo, je vais regarder la topologie de mon application. Alors, Argo est synchronisé. Il me dit, j'ai une synchronisation OK avec le Git et OK avec OpenShift. Moi, j'adore, Martin, le visuel d'Argo CD. C'est vraiment super bien travaillé. Bravo. C'est tellement bien travaillé qu'on a eu une petite primeur ce matin que je n'étais même pas au courant. Notre collègue, justement, Martin Sauvé, nous disait que il y a beaucoup d'efforts chez Red Hat pour intégrer les outils ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va pouvoir se greffer à notre visuel qui est déjà vraiment extraordinaire. Si on regarde la développeur console ici, quand je regarde mon product API, là ici, je vois les pods qui sont running. Donc, imaginez si j'avais l'autre outil aussi intégré. D'après moi, c'est ça à quoi on peut s'attendre, mais sans promesse, bien sûr. Donc, tu l'as bien dit, le visuel. Mais au-delà du visuel, maintenant, je vais appliquer un changement. Et là, je sais que si j'applique un changement ici et que je dis, OK, bien, Product API, je vais cliquer sur mon je vais retourner dans l'autre vue, là. Ça va être plus facile. Donc, Workload, Deployment, je vais cliquer sur Product API, OK, et je monte ça à 3. Ça n'a pas marché. Ça retombait à 2. Hein? Fait que si je remonte ici Argo, qu'est-ce qui se passe? Argo l'a détecté, me l'a remis à 2. Si je m'en vais changer mon config map ici, Edit, Config, change ça, value 3, Save. Oh, regardez, l'objet, elle a changé. Faites Reload, je fais Reload, il est retourné à 2. Donc, Argo est venu remettre la valeur. OK? Donc, comment je fais pour changer maintenant? Je suis obligé, ça me force en tant que développeur, administrateur ou peu importe le heure de mon titre, ça me force à aller ici dans Git, d'aller sur déploiement, dire OK, maintenant j'en veux 4 et je dois changer ma config pour que ce soit value, mettons, 4 aussi. Bon, je fais des chiffres comme ça. Donc, je m'en vais ici dans mon système de contrôle des versions. Je vais ajouter à mon commit, je vais dire, OK, ça me force à écrire un message, ça me force à dire, OK, j'ai upgradé le réplica à 4. Je commets mes changements, je push, et vous allez voir Argo automatiquement, voyez-vous? Il est en synchronisation, il vient de détecter, OK, il y a un changement sur Git. Ah, on doit passer à 4 pods, parfait. On a changé aussi le config map qui est ici. Donc, chacun des... on peut même aller voir live les manifestes qui sont dans la boîte. OK? Donc, on va retourner ici dans notre déploiement. Product API, vous allez voir, on est maintenant à 4 et ça s'est passé via le Git. Okay? Donc, ça, c'est vraiment... Et si j'aurais mon config map, juste pour être certain, value 4 également. C'est... quand on parle d'automatisation, là, on monte d'une coche encore avec ça, là. Ouais, monte ouais. Une coche, puis moi j'aime vraiment l'aspect, comme tu l'as dit, source de vérité. On a pu se promener n'importe où dans OpenShift, on met ça dans notre fichier YAML, c'est lui qui est roi et maître.
en fait sur Git, là, et Argo l'applique et il maintient en plus. Exactement. Donc, et là, la petite... peux-tu me permettre juste... Vas-y. Le petit ajout à ça, OK? Là, je ne l'ai pas intégré dans Argo, mais ça aussi, on pourra... Comme je vous ai dit, on effleure le sujet aujourd'hui, on ne veut pas prendre trop de votre temps, mais il y a une autre technologie qui s'appelle Customize. Okay? Parce que c'est beau, là. Moi, je fais une démo comme ça, je présente l'application, vous faites wow! J'espère que vous avez fait wow! Hein, comme vous l'avez vu. Mais vous allez me dire, ouais, mais moi, dans la vraie vie, là, j'ai plusieurs environnements. J'ai une prod, j'ai un staging, j'ai du dev. Fait que je vais vous dire, OK, pas de problème. On prend tous ces répertoires-là, on les copie, on les duplique. Là, vous allez me dire, ouais, mais Martin, si je duplique le fichier au complet, puis qu'après ça, je dois rajouter une valeur dans le fichier, je dois le rajouter dans les trois environnements, je me retrouve avec d'autres problèmes. Là, t'sais. J'en ai réglé un, mais j'en ai d'autres. Donc, c'est là que Customize vient à la rescousse. Donc, si on regarde ici, j'ai fait un petit exemple avec multi-end. Donc, Customize, on va pouvoir définir les fichiers de base. Donc, ma config, mon déploiement, mes routes, mon service. Et après ça, je vais aller customiser, je vais aller changer juste les valeurs que je veux pour un certain environnement. Par exemple, la prod, ma config, ça va être value prod. En staging, la config va être value staging. Plus précisément, le deployment, okay, vous voyez, là, j'ai tout mon déploiement de base qui est ici, mais en prod, je veux qu'il soit dans le namespace de prod, et je vais utiliser une image spécifique avec un tag prod. Tandis qu'en staging, je vais utiliser un tag staging. Hein? Puis même chose pour les routes. Je vais avoir multi-env staging, stash staging, et env prod. Donc, je n'ai pas besoin de tout réécrire. Donc, si je change ma base, puis que ça n'a pas d'impact sur les différents environnements, ce qui est le fun, c'est que ça va s'appliquer à tout le monde. Donc, comment ça se traduit tout ça? C'est qu'après ça, je peux tout simplement aller ici, multi-env. Je vais aller en projet où je peux faire aussi get cm-o. Martin, monte donc, parce que ta dernière ligne, on ne la voit pas. On ne voit pas ma ligne, OK, parfait. Ouais. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est parfait. Oui, OK, c'est beau. J'aurais dû te le dire avant, là, mais ouais. Non, pas de problème, pas de problème. OK. Donc, je vais arrêter de bouger ça. Donc, multi-envpro, j'ai rien, j'ai aucune ressource. OK, fait que donc, je vais faire un OC apply moins K, et non pas moins F, moins K de mon overlay, exemple, en prod. Donc, l'overlay est allé chercher la base aussi parce que j'ai un fichier là, de customisation. Bref, on pourrait s'étaler là-dessus, mais il est allé chercher les fichiers de base. Après ça, il est allé patcher ce qu'il y avait à patcher. Ce qui fait que, et je vais faire la même chose pour staging en passant. Donc, staging, comme ça. Espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Et si je regarde maintenant mon config map de prod, on va regarder qu'est-ce qu'il contient. OK? C'est que si je prends lui ici, moins O, gamma, quelle clé que j'ai? Value prod. Hein? Si je fais la même chose, la même config map, mais en staging, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez? Value staging. Donc, si je regarde au niveau des pods multi-environnement en prod, j'ai deux pods, puis multi-env en staging, j'en ai que un, hein, parce qu'en staging, je n'ai pas besoin d'autant de ressources. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que dans ma customisation, mon déploiement a un réplica de 2 en production et un réplica de 1 en staging. Super, Martin. Commentaire dans le chat. J'ai Wireless00 qui dit qu'il faut qu'il monte ça à son collègue à position campée. Il dit la partie du YAML qui pointe sur un get. Je pense que ça a été apprécié de sa part. Et on a un nob canadien qui nous dit quand ça va être inclus directement dans le visuel d'OpenShift, ça va être un incontournable, effectivement. Ah, mais OpenShift, c'est déjà un incontournable. C'est déjà comme ça. Effectivement. Effectivement. Martin, j'aimerais ça, il nous reste quelques minutes, là. Déployer Argo CD, est-ce que c'est compliqué? Fait que je te remets Oui, effectivement. Effectivement, j'allais oublier ça. Donc, je vais juste repartager mon écran ici. Donc, déployer Argo CD. C'est vrai, j'avais oublié d'ouvrir mon lien pour ça. Je m'excuse. J'ai un petit bookmark ici.
qui est redate Montréal. Oh mon Dieu, juste un petit instant là. OK, redate Canada. OK, ici là, un beau repos. OK, allez voir ça. C'est maintenu par Maître Sauvé, notre collègue Martin Sauvé, entre autres, et d'autres gens chez nous. Et vous voyez, vous allez voir dans ça. En fait, je vais le mettre tout de suite sur le chat. Oui, okay? Bonne idée. Donc, c'est sur le chat. C'est bon, j'ai pas de robot qui me bloque. Non, je vois que ça a marché, là, mon adoucissement a marché. Là. Donc, allez voir, il y a plein de trucs cool, puis je pense qu'il y a des choses qui vont s'ajouter avec le temps. En fait, je devrais mettre mes affaires là-dedans. Puis, Argo CD fait partie des repos. Donc, allez ici, Argo CD, comment faire le setup? Vous faites le clone du repository et ensuite, vous faites un OC apply -K. Pourquoi -K? Pour la customisation. Donc, ça veut dire que si on voulait changer des paramètres, on pourrait juste se créer l'overlay avec les paramètres qu'on veut changer. Mais prenez les paramètres par défaut, puis après ça, attendez que l'opérateur termine. Je devine qu'il faut que tu spécifies ton namespace quelque part. Par défaut, ça va aller dans le namespace Argo CD. OK, c'est ça. Mais si, mettons, tu veux le mettre dans un autre ou tu vas avoir plusieurs installations d'Argo CD. C'est ça. Okay. Puis, une autre raison pour utiliser ce script-là, c'est que lui, il va être automatiquement automatiquement attaché à l'authentification de OpenShift. Donc, si je vous remonte ici, j'avais oublié ce détail-là, mais qui est quand même un détail important. Quand je fais login, voyez-vous le bouton login via OpenShift? Okay. Si vous faites l'installation d'Argo CD comme il est documenté sur le site d'Argo CD, vous n'aurez pas cette intégration-là out of the box. Donc, utilisez le repo que je viens de partager. Vous allez faire login via OpenShift, SSO. On rentre nos informations et on est prêt, ready donc, to go. Le prérequis, quand même, ça prend Red Hat SSO là, pour faire fonctionner ça. Ce qu'on a déjà montré, si je ne me trompe pas, n'as-tu déjà montré dans. Ouais. Non, mais c'est pas absolument nécessaire. Là. C'est juste qu'il va aller utiliser le OAuth de OpenShift. Okay? Donc, si vous ne l'avez pas, vous avez juste créé des usagers locaux, ça va quand même fonctionner. L'exemple HTTP password, ça va fonctionner. Mais si vous montez OpenShift, effectivement, SSO, je pense que c'est un must. Là. On ne devrait même pas s'en passer jamais. C'est inclus. C'est gratuit. Hein? Tellement de belles technologies, Red Hat SSO, K-Cloak, basé sur K-Cloak. Écoute, je me demande si on en a déjà parlé aux épisodes. Je sais qu'on a fait un paquet de présentations, moi puis toi, sur Red Hat SSO, mais je me demande si on en a déjà parlé. Je vais regarder dans les archives. Si on n'en a pas parlé, ça pourrait être un sujet intéressant à toucher prochainement. Écoute, super, Martin, merci beaucoup. Belle petite démonstration. Ça a été vite et efficace hein, quand même, en 15-20 minutes à peu près. Là. C'est une bonne introduction. Juste pour faire un récap de ça, ici, donc GitOps, des questions qu'on a souvent là, des clients, c'est comment je prends en backup mon environnement OpenShift? Ben, on prend pas en backup énormément OpenShift. On définit notre environnement YAML et on prend des outils comme Argo pour... travailler, automatiser, le laisser faire, le laisser contrôler pour vous, finalement. Donc, c'est une bonne pratique de, une fois que tu as installé ton cluster OpenShift, première étape, une fois qu'il est installé, tu t'installes Argo CD puis tu pars avec ça. Oui, tout à fait. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui, Martin. C'est bon, on a fini ça plus tôt que d'habitude, surtout que le dernier épisode, on avait vraiment dépassé là, avec la démo de Koué. Je pense qu'on était 20 minutes de plus. Là, on finit un petit peu avant. C'était mon objectif là, qu'on raccourcisse un petit peu les épisodes, surtout pour permettre aux gens qui veulent nous écouter en direct puissent rester jusqu'à la fin et pas manquer les derniers 10 minutes, qui est souvent la portion plus démo et peut-être plus croustillante de nos épisodes. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Il y a quand même eu beaucoup d'interactions sur le chat. C'est super le fun. Notre premier don, Martin, de 10$. Incroyable. Non, mais c'est super le fun, regarde. Incroyable. C'est bien, ça veut dire que c'est apprécié qu'est-ce qu'on fait. Fait que, super merci content. Fait que, bon long week-end à tout le monde. Puis on se revoit en espérant peut-être dans 3 semaines ou sinon plus. Merci Bye beaucoup. Tout le monde. Bye tout le monde.